Pour élargir notre collection, nous passons en revue dans cet épisode l'hélicoptère de Stella, l'énorme camion de Ryder, un ensemble de figurines. Allez, on va commencer par déballer l'hélicoptère de Stella. Il est conçu comme dans la série originale, principalement gris et rose. De plus, vous pouvez également déplacer les pales du rotor de l'hélicoptère. Et sur le côté, il y a aussi deux ailes que vous pouvez ouvrir ou fermer. Et bien sûr, il y a une figurine Stella qui s'intègre parfaitement à l'intérieur de l'hélicoptère. Passons maintenant à l'énorme camion. Il est conçu comme dans la série originale, principalement blanc avec un toit rouge. Et comme vous venez de l'entendre, il y a des effets sonores et lumineux. En plus, il y a aussi une figurine Ryder et son véhicule. Mais je dirais qu'il faut d'abord tout déballer et jeter un coup d'œil. Ici, on voit l'avant du camion avec la fenêtre, le toit et le pare-choc. On peut voir qu'il est vraiment grand, presque interminable. Ici, nous avons la figurine de Ryder que nous allons déballer. Bien sûr, il porte son casque. Il est entièrement habillé avec son pantalon et sa veste. Il a aussi son véhicule. Bien, pour ne pas laisser la cabine du camion complètement vide, nous allons déballer l'ensemble de figurines. Du coup, on en aura 3 de plus et on va pouvoir les installer à l'intérieur du camion. À l'intérieur, on a 3 petits sacs qui contiennent chacun une figurine et un badge. À l'intérieur du premier sac, on trouve l'insigne ou le badge de Ruben qui montre une clé et une vis, et bien sûr la figurine. Chacune de ces 3 figurines a une particularité. Vous appuyez sur un petit bouton sur leur collier et il se passe toujours quelque chose. En appuyant sur celle de Ruben, une pelle sort de son sac à dos par exemple, et chacune de ces figurines a une fonction spéciale cool. Dans le sac suivant, nous avons à nouveau un badge et une figurine, cette fois de chien robot. Mettons le badge en premier, voilà, il suffit de l'assembler. Alors pour chien robot, lorsqu'on appuie sur le bouton qui est sur son collier, ses réacteurs se déploient. Et à l'intérieur du dernier et troisième petit sac, il y a un badge avec des flocons de neige ou un arbre de Noël, et il appartient évidemment à Everest. La figurine est également conçue comme dans la série, avec le gros sac à dos, et bien sûr, elle a aussi une fonction cool. Il suffit d'appuyer sur le côté et une griffe ou une torpille fraîche se déplie. Ça fonctionne à tous les coups. Alors, je dirais que maintenant, on va prendre les 3 personnages et on va essayer de les mettre ensemble à l'intérieur du patrouilleur. Ryder a évidemment sa place sur la chaise du patron ou le siège du conducteur. Et ensuite, on ajoute Ruben. Et nous avons aussi Chien Robot. Everest, la dernière figurine qui peut entrer dans la cabine de pilotage. À l'arrière de la cabine, on voit une petite carte de façon à ce que les chiens et Ryder ne se perdent jamais. Voilà, on referme la cabine et on va s'intéresser au véhicule de Ryder. Voilà, on sort Ryder de la cabine, on défait simplement le couvercle, on enlève la figurine et on la place sur le véhicule. On voit que c'est la même voiture que dans la série, la même couleur et la figurine s'adapte parfaitement. On continue avec l'énorme camion.
nous allons regarder la plus géniale de ses fonctionnalités. Pour ça, il faut tourner la patte sur le côté et ensuite vous pouvez ouvrir toute la partie arrière du camion. Le toit arrière est déjà ouvert et vous avez alors beaucoup de place pour accueillir tous les véhicules et les figurines de la collection. Voilà, comme vous l'entendez à l'intérieur, des effets sonores et lumineux. Allez, on va voir combien de véhicules et de figurines on peut faire tenir dans le camion. La figurine et le véhicule de Chase. Ensuite, on peut mettre Ruben et sa grue à l'intérieur. Ici, nous avons aussi une trappe de chargement ou un rabat supplémentaire que vous pouvez ouvrir ou rabattre. Et à côté, il y a un ascenseur. Cela veut dire que vous pouvez conduire vos véhicules avec les figurines vers le haut ou vers le bas. Vous avez aussi beaucoup d'espace de rangement au deuxième étage du camion, pour l'hélicoptère de Stella par exemple. Voilà, il va falloir faire rentrer le véhicule de Ryder d'une façon ou d'une autre. On va repousser le véhicule de Ruben. On voit que ça fonctionne avec la trappe de chargement. On conduit le véhicule de Ryder à l'intérieur, on l'emmène avec l'ascenseur à l'étage, et puis Ryder et son véhicule peuvent trouver leur place au deuxième étage. C'est ce que fait Stella. Voilà, on redescend l'ascenseur et on peut emmener Ruben et son excavateur à l'intérieur maintenant. Voilà, on referme la trappe. On referme aussi la cabine et on peut voir qu'on a logé 5 véhicules et des figurines. On n'a pas de sixième dans notre collection. Mais cela arrivera dans le prochain épisode, parce que maintenant nous allons tester et voir si on peut tout refermer. Il suffit d'appuyer sur le toit. Il y a un petit élément à replier et le camion est de nouveau facile à ranger et à transporter. À l'arrière, nous avons une vue de l'intérieur. On referme la trappe de chargement et le camion est complètement fermé. Véhicules et figurines sont stockés en toute sécurité. Jetons un dernier coup d'œil aux trois personnages supplémentaires. Ici, nous avons Chien Robot avec son badge. Et comme nous l'avons vu avant, il faut appuyer sur le bouton du collier pour activer les fonctions spéciales des personnages. Et ici, on voit que tout fonctionne impeccablement. On va regarder le camion avec une vue à 360 degrés. La patte sur le côté, la trappe de chargement à l'arrière, et puis il est principalement blanc avec un toit rouge et des roues noires. Voilà à quoi il ressemble une fois fermé. Et une fois ouvert. À l'intérieur, il y a beaucoup d'autocollants, l'ascenseur, la lumière, les effets sonores. Et ici, à l'arrière, la pièce de soutien pour que le deuxième étage ne s'effondre pas. Voilà, une fois qu'il est plié, ça ressemble à ça. On voit que le camion est prêt pour jouer ou on peut aussi l'utiliser pour ranger les véhicules et les figurines. Ici, on le voit à nouveau, il est à nouveau ouvert, avec des cartes, des autocollants et toutes les différentes fonctionnalités que nous avons vues plus tôt. Nous avons à nouveau tous les jouets de la Pat Patrouille que nous avons examinés aujourd'hui. Mais bien sûr, d'autres épisodes de la Pat Patrouille suivront. Voilà, l'énorme camion de la Pat Patrouille, chaque véhicule, Marcus, Stella, les figurines et bien plus encore. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Vous pouvez en voir d'autres ici. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à cette chaîne.